Oh merde, attends, j'ai dû penser, mais j'ai peut-être pas toute ma barre de vie, quoi. Ah si. Comment ça se fait que j'ai toute ma barre de vie alors que je suis mort? Ah, je sais pas, ouais. Bah, tant mieux. Parce que la barre de vie au total, c'est combien de petits segments? C'est 150, 6 petits segments. 6 petits segments? 1, 2, 3, 4... Ah non, il m'en manque un, merde. Bon, j'ai rien. Ah. C'est combien déjà? C'est un point seulement pour enlever un... pour ajouter un petit segment? C'est ça. Adrénaline. Ah, c'est pour ça qu'il m'a fiché ma barre de vie en fait. Ok. Très bien. Hihi. Et bah dis donc. Bah oui. Je suis fort secoué. Hein. Ah là. Ça check le bouli. Oh l'idiot. Le bouli est checké. Pendant ce temps de chargement, je te propose de partager une magnifique recette de poulet. Oh oui. On aime le poulet. On t'écoute. Ah, alors, une recette de poulet que j'aime bien, que je fais souvent, c'est un truc basique en fait. C'est que tu fais revenir des escalopes que tu coupes en dés. Tu fais revenir dans de l'huile, un petit peu d'huile pour que ce soit un peu crispy. Tu mets un peu de sel et tout. Tu fais un peu doré à la poêle comme ça. Tu réserves. Dans le jus, après, tu fais revenir des petits champignons avec un petit peu d'ail et un petit peu d'oignon. Quand les champignons sont cuits, tu fais un petit peu de persil et après tu mets de la crème fraîche. Et quand t'as un petit mijoté comme ça, au dernier moment tu rajoutes le poulet. Ça te fait un petit poulet à la crème et du coup tu peux manger ça avec des pâtes ou plutôt des pâtes. C'est beau! Voilà. C'est tout simple. C'est assez fat quand même parce qu'il y a de la crème. Tu peux le faire sans crème, c'est très bon aussi. Mais c'est un peu plus sec. Tu peux faire sans crème en rajoutant du beurre. T'as tout compris. Ouais, bon. Mais ouais, c'est un truc que je faisais beaucoup avant, quand j'étais maigre. Voilà. On est dans la zone 1, où il y a le boucher. Bah, bouchon. Hein. Bouchon, hein. On a tout à gagner si c'est sur une des extrémités. Alors forcément c'est pas sur l'extrémité qui nous demande de traverser la map, c'est mieux. C'est là où il est sorti. Non mais, je l'ai travaillé celui-là. Mon XP. Il l'a mijoté. Je teste. Ça va. Je teste. Ça va. Fais pas je reste à fond. Encore? Oui. Vous m'envoyez dans un ascenseur? Oh oui. Il vient d'attendre devant des sacs à viande? Tous les ascenseurs. Ascenseur vers l'enfer. Oh non. L'enfer. Elevator to hell. Tout de suite, on dirait que c'est une attraction. Hein. Ah, des chiens, bonjour, enchanté. Élévateur pour l'enfer. Ah, le boucher est là. Le boucher est là. Et tous ensemble. Ah, je crois que l'immolateur m'en veut. Ok. Le boucher est là.
Ah, what the fuck. Il est impressionnant. Fuck, coincé. Non, bordel de merde. Ah, il est là. Oh, je perds des frames là. Voilà. Et c'est assez étriqué, ouais. Tu voyais, je crois. Aïe. Sur des pieds. Je fais que ce que je peux, hein, mais... Il est toujours derrière toi. Maintenant, il est sur moi. Bouge, 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 bouge. Ah, merde. Il est où, il est où, il est où? Le mec arrive avec une lanterne en plus. Non, non, c'est Oh putain. Les flammes de l'enfer. Oh là là, je perds toutes mes barres de vie, mec. Elles sont toutes cramées quasiment. Merde. Aïe 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 aïe. Ça va le fight? Qu'est-ce qu'on peut? Tu veux bien aider ou pas? Oui. Ok. Curie. Ok. Des corbeaux. Fuck. Bien joué. Ok, donc attention, ici il y a une fenêtre qui peut s'ouvrir. Là il y a une porte et il y a l'échelle en haut. On peut venir d'en haut. Ok. 3 points à faire gaffe. Pardon, monsieur. Ah. Pardon. Oh, enchanté. Je piège la fenêtre. Ok. Oh. Il est mythe. Où ça? Là-bas.
J'ai mis un piège au niveau d'un des escaliers, pas celui que t'as pigné l'autre. Ok. Ah, j'ai ouvert la porte. Je lui souvenais. Je sais pas. Ah, derrière la porte, y'a un mec. Projectile. Bien joué. Ah, par là. Oh fuck! Oh le con! Derrière aussi. Je suis mort, hein? Ouais, ouais. Ah là là! Ça fait blitz, mon pote! Ah oui, méchamment. Ah, le mec avec sa dynamite, il m'a défoncé. Mais je suis bête, je pensais qu'on était safe parce que la porte était fermée, mais il l'a lancé dans l'interstice. De la porte blanche là? Ouais. Peut-être, ouais. Après, il l'a rouvert pas mal de fois aussi. En tirant dedans, en balançant les trucs et tout. Donc... Ouais, mais en fait, il avait commencé à lancer l'explosif et toi, t'as fermé la porte. Et en fait, je pensais que du coup, c'était bon. C'était étanche, mais pas du tout. C'était pas étanche, mon gars. Ah non, non, il y avait un espace assez large pour l'explosif. Le sous-marin a coulé. Terrible. One shot à explosif, ça fait mal. Mais c'était bien joué de sa part, hein, qu'il a attendu, il a fait péter. Il la cook, comme tu disais. Il la cook, comme ça qu'on dit. Et oui. 62% sur le sable de cavalerie, le boss qui a fait du bien quand même. Mais du poivre, du sel, de l'ail, c'est pas. Oui. Comme un petit poulet. Un petit poulet. Ben. C'est pour le boucher, il nous en reste. Bon, faut qu'on en sorte 4 pour passer à la maîtrise d'après. L'araignée, faut qu'on en sorte 9. Ça se fait quand même. Faut qu'on ait 9 points ou faut qu'on en sorte 9? Faut qu'on en sorte 9. Et 4 et 9, faut qu'on en sorte. Oh, du temps quand même, hein. Mais oui, ouais. Ça se fera. De toute façon, on sait qu'on arrive à les faire les boss à un moment donné, mais... Voilà. Après, en quelle année, on verra, mais... Ah, c'est autre chose. C'est quoi, je fais un petit pipi le temps que ça cherche, à de suite. Très bien. Y reviendra, je vous ai trouvé un petit lien vers des menus au hasard. Comme ça, il pourra nous faire des commentaires sur ce que lui inspire tous ces menus pris de manière aléatoire.
Je vous invite bien sûr à profiter de ces temps de changement pour vous-même, vous servir des verres. Car il est important de s'hydrater. Alors, on va aller orange. Hein. Je suis là. Là. Il est là. Ah non. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis bloqué. Essaie de changer d'arme, non, je sais pas, t'as quoi au pire ? Je peux pas changer d'arme, je peux rien faire. Préparé ! Arme ! Bonjour ! Ça fait aussi mal que ton cac au final. C'est vrai? Ouais. C'est ce qu'il dit, mon cac! Ah, j'avais que des grosses barres en plus. C'est ce que tu dis, mec. Grosse barre. Ah, si, t'es avec un vrai plaisir. C'est toujours. Bon, bah voilà, une session qui commence bien. Ouais. J'aimerais bien savoir ce qui enclenche le bug quand même. Ouais, je suis sûr que les devs aussi. Attends, mais c'est pas. Ok. Non, reste. Ah, fuck, c'est le spectre en plus. Je fais du steak. Ouais. Je calcule nos chances de réussite à 22%. Wow, ça fait peur. Quand tu vois 22% en jouant un Fire Emblem, t'es en mode bon, est-ce que j'attaque vraiment? Ah ouais. Il y a eu des petits châteaux là. Petits châteaux. Une carapace. Oh, merde, je suis empoisonné, j'avais oublié qu'il était attiré. Viens sur toi. Oh, je me chie dessus. Oh, c'est au nord. Allez, ferme au nord. Une fois que t'aurais scié ton pantalon, on pourra y aller. C'est propre. Grâce à des lessives mousseline. C'est toi qui tire. Tu prends ça pour un oui. Je t'ai pris la rue, j'ai pas réussi à la tuer. Ah. Cours pour ta vie, bro. Voilà. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner, bro. Brah. Brah. Ça le fait. T'es toujours à 22%. Ouais. Ouais.
Ouais, on est à 22%. Ouais. 25%. Ah, ça a augmenté. Quand on verra des joueurs, ça changera comment? 5%. Fait trop mal, mais c'est si vrai. Non, ça va, je commence à me réveiller en plus. J'ai un peu la gueule de bois d'hier. Parce que ah bah bravo! J'ai une petite soirée à la maison, on s'est couché à 3h30 du mat. Petite sauterie. Je me suis réveillé au milieu de la nuit pour prendre de l'eau parce que j'ai soif, je me suis rendu compte que j'étais à 9h du matin. Voilà. Je pense que c'est la dernière qu'on fera d'ailleurs. C'est pas très sage de faire ce genre de choses. Fuck. Au moins tu les fais chez toi. Pas de risque sur le trajet. Ah, ouais. Non mais c'est... Non, c'est... Déjà ça te prie. Aucune bonne conscience à prendre de ça. Je dis pas que c'est bien, mais au moins il y a ça. Fuck, mais on est abonné au sac à viande. Oh là là. Ah, il est sur moi, je crois. Okay. Oh fuck, oh oui, il est bien sur moi. Vas-y, prends le point. Avant qu'il revienne, il revient. C'est dans le coin. Non, reste. Ah non, voilà, vraiment le coin. Allez, il nous faut la place nette, mon gars. Nos chances de succès sont à combien? Non, mais on est pas mal là, en fait. On remonte à 30%. Lac désolé, sorti à côté, j'ai même 40%. 40%? Ça va être du style à éviter les fights, donc c'est parfait. On se base vraiment sur le fait que personne fait le spectre actuellement. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, d'accord. C'est le spectre de Schrödinger. Il n'est pas vraiment là. Il y a des joueurs et il n'y a pas de joueurs en même temps. On fait donc une moyenne entre les deux possibilités, 40%. C'était donc ça. T'es où toi? Tu te promènes? Je me débois avec des chiens. Super. J'ai ma meilleure vie. Dans l'eau, il y a des bestioles. Hein. C'est jamais. Ah, là où je suis, en tout cas. À la force du courage. Ça se fait, hein, mais... Courage. J'ai une mobilette avec... Je t'ai écouté les bruits. Vas-y, ta gueule. Ok, il est vert. Il est vert, il est vert. Il est vert. Il est vert. Feu vert, mon gars. Touchous. Il y a un chasseur qui est mort ici. Ah, c'est pas forcément bien. Et deux chasseurs qui sont morts d'ailleurs. Oh merde, c'est fermé ça. Oh non, j'ai plus l'habitude moi. Là tu peux je crois. Une échelle hein. Ici. Ça fait peur tous ces chasseurs morts là. Ouais. Je sais pas comment ils sont morts, je crois qu'ils sont mangés la ruche. Mais il a perdu de la vie le spectre. Ah mais ils ont dû le commencer. Je sais pas. Mais il est blanc hein. Il est blanc, c'est qu'il y a personne dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il les a peut-être butés. Peut-être que le spectre les a butés. Ils sont sortis, ils sont mangés la ruche et le tas de viande. La ruche les a empoisonnés, le tas de viande les a achevés. Moi je vois que ça. Je ferme les fenêtres, hein.
Oh la dague, je l'ai vu passer là. Oh oui. Il est où? Le petit sauvage. Ça fait mal ça, hein. Oh là là. T'as touché? Non. Ah. Je suis intouché. Et intouchable là. C'est beau. Je suis un dieu. Bien. Il est presque, presque mort. Vas-y mon Pepper. Ouais, ouais, ouais. Montre-toi, fais-moi l'XP mon gars. Ouais. Yes. Ah, je suis un chevalier. Tu l'as perforé moult fois. Moult. Petite sortie à côté, non? Oui. Il y a une sortie à côté, donc faut qu'on survive. Allons-y. La survie, c'est notre spécialité. Non. Les escaliers, c'est piégé. C'est une boutade. Boutade. Alors fais gaffe que sur les petites fenêtres comme ça, il y a des toits, ils peuvent monter dessus, c'est la merde. Relou. Ouais. Relou. Je vais mettre là, moi, ça va être une planque correcte. Plus il y a des munitions. C'est un escalier, ça aussi. Je peux guetter cette entrée là. Si ma foi, j'annonce. On va peut-être se faire un petit piège comme ça là. Un peu au milieu comme ça là, qui se voit pas. Ouais, ça va bien se le manger quand on va courir. Ouais. Mais des mecs qui viennent de l'escalier aussi. Ah, bien joué. Ah, y'a un escalier, j'ai pas vu. Il y a deux escaliers, ils sont vieux de piéger. Deux escaliers. Moi je pense sur le piéger. Oh mon dieu. Pardon. Ouais, et puis moi je me mets au même endroit que toi, mais je regarde par là. Okay. Comme ça, on couvre un maximum. Ok. Maximum. Maximum. Ils vont tous venir sur nous, c'est horrible. Dis pas ça, Bob. Je le dis, je le pense, mec. Arrête. Deux chances de réussite, elles sont à combien, là? 2%. C'est trop dur. Non, ça va, je dirais 50%. Oh. Allez, 40, c'est parce que le boucher, il est sorti, déjà. Encore tous les risques à pisser sur notre gueule. Après, un groupe qui est mort, un groupe qui est parti. Tout le monde sait qu'on est que 3 groupes. Au maximum, 3 groupes, ouais. Je suis sûr qu'il y a un groupe qui est mort. On peut imaginer qu'il reste que 2 groupes. Ils sont tous les deux sur nous. Ouais. On peut imaginer qu'il y a un groupe qui a fait de l'XP. Donc on peut éventualiser, on va manger un groupe. Après, nous, on représente de l'XP. Hein. N'oublions pas ce point. Ouais, c'est vrai. Les gens qui sont bons, quand ils veulent faire de l'XP, ils nous tuent, nous, généralement. Ah, attends, j'entends du bruit. Je crois qu'il est à mort. Ah, on est à 2%. Ah oui, tu cours à droite, t'as dit nickel. Il avait pas écouté quand je lui ai dit. Et si, j'ai oublié. Le truc, c'est qu'ils peuvent monter par l'échelle, quoi. Mais ça risque de faire du bruit. Sauf s'ils ont le pas feutré. Ah oui, pas feutré. Ah, ça va faire vache, mon pote. On va même pas regarder. On prend même pas le temps de faire un check. Dis pas n'importe quoi. Mais... Non, non, non. Tu te calmes, tu feras un check. Tu fais un check et tu manges ta soupe.
Oui, prends la prime. On sort par là, on court. Je check. Il n'y a rien, go. C'est vers l'est. Nord-est. Je vois rien. Je check. Vas-y. Rien. Nada. Check bien autour. Comme Raphaël. Raphaël Nada. Raphaël Nada. Fameux tennisman russe. Rien devant. Hein? Oui. Si on garde la logique, il est même rue. Fait un peu plouf ta fusée. Ah non, ça marche. Et tu arrêtes. Elle a fait plouf. Oh toi. Non, pas taper, je pourrais te perdre. Je pourrais te perdre sur une connerie comme ça. Oh, t'as lâché le coup après, espèce de salaud. Bravo. Oh le shadow. Bravo. Moult applaudissements. Moult. C'est une nouvelle place nette qui se fait. Oui, c'est les plus durs. La place nette avec un petit côté mystérieux. Il y a eu des morts par ici. Ouais, je sais pas. J'avoue. Les gars, ils ont chié le PVE, je pense. Ce qui ne nous arrive jamais. Jamais. Ah les gars, c'était bien. Bah dommage pour eux, tant mieux pour eux. C'est vrai. Le malheur des uns fait la soupe des autres. La soupe des autres. Tout à fait. Une soupe de larmes. Ah oui. Ma préférée. Alors, les petits traits. Alors, est-ce qu'on en est du peu, sabre hein. Les petits traits. Petit... 71% le sabre, oh là là. Magnifique. Magnifique. Belle sabrale. Bam. Erwin. Qu'est-ce qu'il y a? Il est terrible. Va nourrir le porc. Je fous mon tenu. Moi j'ai Linda. Linda. Linda of Porter. Ah. Mm-hmm. Linda. Bon mon gars, pendant le temps de chargement, je te propose quelque chose de nouveau. Tu vas pouvoir nous donner ton ressenti, faire peut-être des recherches sur certains ingrédients, à partir de menus aléatoires que je vais générer et te donner.